Dans cette nouvelle saison des 50, Gary Jarny n'a pas caché avoir un coup de cœur pour Simon Castaldi. Cependant, si le premier est homosexuel, le second ne l'est pas. Dans le dernier épisode diffusé sur W9, Gary a déclaré sa flamme à Simon en lui interprétant la chanson d'amour ou d'amitié de Céline Dion. Une séquence qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Gary Jarny réagit. Face aux nombreuses critiques qu'il a pu recevoir, Gary Jarny a décidé de prendre la parole via une story Instagram. Il est terrible de voir qu'en 2023, un homme homosexuel ne peut pas avoir un coup de cœur pour un hétérosexuel. Je ne choisis pas un ami pour sa sexualité mais pour la personne qu'il est, sa richesse intérieure, son âme, sa force, son intelligence, sa maturité. Oui, je suis fier d'avoir eu ce coup de cœur pour Simon et j'espère que notre amitié ira très loin. L'amitié n'a pas de sexualité. Il va falloir ouvrir votre esprit certain. Mon amour pour l'autre sera toujours plus fort que votre haine. A-t-il déclaré pour mettre fin aux mauvaises langues. À son tour, Simon Castaldi prend la parole touché par les remarques que peut recevoir son ami Gary Jarny. Simon Castaldi a décidé de sortir du silence via son compte Instagram. J'ai très vite compris que notre amitié avec Gary allait faire parler, que les gens n'allaient pas trop comprendre. J'avais même peur que les gens pensent que je puisse faire espérer Gary, que j'allais me jouer de lui alors que ce n'est pas le cas du tout, vous le verrez plus tard. Simon Castaldi trouve ça très beau et même courageux de la part de Gary d'avoir annoncé ses sentiments de la sorte. J'ai lu quand même des grosses conneries comme d'habitude, que je dois expliquer. La première connerie que j'ai lue c'est, si un homme faisait ça à une femme, on aurait crié au harcèlement. Je ne vois pas à quel moment Gary me harcèle. Il m'a juste chanté une chanson de Céline Dion qui explique notre relation amicale ambiguë d'un côté. Je suis gêné parce que je ne m'y attends pas, ça m'a vraiment touché ce qu'il a fait. Je peux être touché par une personne qui me fait une déclaration d'amour sans pour autant vouloir quelque chose avec lui. Je le considère beaucoup. Simon Castaldi a fait son possible pour lui prouver que leur amitié était sincère dans le jeu. On a beaucoup parlé de nos vies, sur plein de points il m'a aidé. Il a développé des sentiments pour moi. Ce n'est pas ce que je voulais mais c'est la vie. Je me dois de rester proche de lui, tout en faisant en sorte qu'il garde en tête que lui et moi ça sera toujours amical. Simon Castaldi l'affirme haut et fort, Gary je l'aime profondément et ça ne changera pas. Il se dit très au clair sur sa sexualité et tacle ceux qui sont dérangés par leur amitié. Souvent ceux qui ne sont pas au clair qui sont en révulsion avec ça. Une prise de parole qui a touché Gary Jarny.